Bonjour les gens, aujourd'hui on est mercredi 3 août et nous allons faire donc Maléfique dans le tome 9. Mercredi 3 août et on va faire Maléfique dans le tome 9. Voilà, donc on va le faire ensemble. Donc on aura besoin pas beaucoup de couleurs, voyez. Alors on a besoin de vert, plus de vert, de rose, de bleu, de violet, mais pas beaucoup de noir. Donc on va prendre déjà les couleurs qu'on aura besoin pour la feuille. On va mettre la feuille, c'est sans ça commis. Ah, pardon. Alors, on va prendre les couleurs qu'on aura besoin. Donc du vert, comme ceci. Un vert assez clair. Un vert assez clair. Donc ceci, pour le neuf. Après, un vert assez pâle pour son visage. Ça va être très compliqué parce qu'elle a un vert assez pâle quand même. C'est très compliqué pour son zéro. Après, on va prendre un rose. Donc celui-ci. On va prendre du gris. Alors, on va reprendre juste la petite boîte, comme tout à l'heure. On choisit les couleurs, hein. Comme je vous ai dit, on choisit. Alors, elle a un violet foncé, très foncé. On va prendre deux violets, on va avoir un foncé clair, un foncé et un foncé et puis un clair. Après, un bleu. Je crois qu'elle a un gris bleu. Si ma maman la donne, un gris bleu. On va voir ce que j'ai mis. Alors pour la pâleur de son visage, moi je prendrais plus ça ou un autre, mais après je ne suis pas plus pour la pâleur de son visage. Je regardais plus pour un violet, donc on va prendre ça aussi, violet plus foncé. Alors un gris bleu, je vais le trouver, hein, je m'inquiète pas. Je vais avoir un gris bleu quelque part parce que un gris bleu qui était là. On va prendre un vert un peu plus foncé si on a besoin un peu plus. Ça prendre. On prend toutes les couleurs qu'on a besoin, je vous ai dit. Alors, un rouge rose. On va prendre ça. Parce qu'elle n'a pas beaucoup de rose. Ok. Il nous manque du jaune clair. Du jaune. Ah, c'est du vert assez foncé, vert clair foncé. C'est pas évident parce que on remarque, c'est plus du jaune, et le vert, jaune vert. Ouais, ça ressemble plus à du jaune du B. Hein. Ouais, on va prendre du jaune, on va pas laisser faire. On va prendre du jaune, on va prendre tous les jaunes. On a besoin tous les jaunes qu'on a besoin, on se les sort bien sûr. Après c'est le C par contre qui me chagrine un peu parce que le C va avoir un qui ressemble à ça. Ça c'est du vert kaki, je vois ça. Je vais regarder si j'en ai pas un autre. Que ça c'est pour ces, je crois que je dois en avoir un jaune en Faber Castell, je vais en avoir un, je vais regarder. Ah, on va regarder ça. Donc, ça va être la dernière je crois. Ouais, il manque pas le bleu gris. Alors le bleu gris par contre je sais pas, je n'ai pas. Ah là, le gris, non, il manque pas. Ah, si, un bleu gris, il y a celui-ci, donc ce sera ça pour le bleu gris. Après il me faut un noir bien sûr parce qu'elle a du noir, hein. Bien sûr du noir. Et nous faut encore du il y en a encore un là, c'est à l'heure pour voir. On va essayer. On va, il y en a deux. Hein. Ok. Et c'est tout, je crois. Et un violet. Alors, on a un violet. On n'a pas un violet clair. Qui ressemble à un assez violet clair. Soit celui-ci pour un violet clair. Soit un autre violet. Ah voilà. Je vais chercher un violet comme ça. Ok.
Il nous manque rien d'autre. C'était juste sur le C qui ça nous chagrine un petit peu, bien sûr. Donc, on va prendre ça pour le coloriage. On prendra un peu de temps. Hein. Ne vous inquiétez pas. Ne vous inquiétez pas. On prendra du temps pour le coloriage. Alors, moi, c'est juste sur la... sur le C que je vais prendre la couleur. Là, ça, c'est la bâche. Alors, il est super détendu. Parce que là je sais que j'ai pas la couleur que je voudrais. Alors, on va prendre juste ça dans les crayons couleurs. Je crois que j'en ai un en Faber Castell. J'ai un autre. Si j'ai pas, bah tant pis, on prendra tout. Parce que sûr que j'en ai. Sûr. J'avais celui-là. Et ça fait plus vert, light green. Pour le C, on va bien voir. J'en ai peut-être pas d'autres. Hein. J'aime bien voir si j'en ai un autre, mais je suis pas sûre. Après, j'ai celui-là pour faire. Ouais, on verra bien. Mais... un autre, si je prendrais pas, je prendrais pas tous les crayons. Alors, ça fait plus un verre pâle qu'un verre kaki là par contre. On va les sortir. Ça peut se sortir. Mais il n'a pas l'heure pour le faire l'ivoire en jaune. C'est ce que je disais, ivoirie un peu. Est-ce que j'en ai de l'ivoire ici? Je crois qu'on avait acheté l'ivoire. Je vais en reprendre. Je crois que j'en avais racheté l'ivoire. Alors, l'ivoirie, je dois en avoir. Je vais regarder. Ça, c'est quoi son haricot, ouais. Après, j'ai du parme, comme ça, lilas. Je vais regarder bien. Parce que j'ai un doute si j'avais pas de l'ivoirie pour que ça fasse un peu jaune. Mais je crois que j'en ai un. Mais alors, il est. Oh, là, là. Il n'est pas le goût, c'est pas possible. Ça c'est le plus gros. On va y arriver, on va y arriver. Hein. Qu'est-ce que c'est du gris? Ça c'est du gris, donc moi je croyais en avoir, mais en fait j'en ai pas. Est-ce qu'on a gris que là? Non. Je suis sûre à en avoir, hein. Je vais regarder ça. L'ivoirie est où? Ça ressemblerait à beaucoup de jaune-vert. De vert mais assez fluide et moi je trouve que le light vert ça ira pas parce que c'est assez peut-être aussi donc on va prendre peut-être celui là pour le light vert du coup on commence donc on va commencer donc la couleur d'abord on va faire le C parce que le C il n'a pas beaucoup donc c'est ce qui va me demander le moins de temps voilà c'est ça que je voulais. Donc, il y en a qui seront au Faber-Castell Pitt et il y en a qui seront au Staedtler. Hein. Ne vous inquiétez pas, il y en aura un petit peu au Pen 68. Hop. Il n'y en aura pas beaucoup, ne vous inquiétez pas. Ce qui est bien avec les Faber-Castell Pitt, comme c'est des stylos à pointe, à pinceau, il n'y a pas beaucoup à dépasser en tous les cas. Donc ça va aller vite. Donc voilà. Alors ici il y en a. Il ne faut pas trop dépasser parce que ça va être un peu plus du vert après sur son visage. Un vert assez pâle. Alors là, c'est bon. Ok. Je ne sais pas si vous voyez un peu. Si vous commencez à voir un tout petit peu le dessin.
Voilà. Donc je suis obligée de monter un tout petit peu le son. Pardonnez-moi, mais c'est parce qu'il y a du bruit, sinon je ne peux pas plus faire ma vidéo. Donc là c'est bon. Donc ici, toujours en ce mercredi 3 août. Donc on va finir. Alors là, il y a encore du cire. Hein. Je ne sais pas quel temps vous avez chez vous, mais ici il ne fait pas très très beau. Voilà. Donc là on a fait là, là on fait ici. Vous voyez déjà, on voit déjà la, la devanture un peu, voir juste commencer. Moi je trouve qu'il est magnifique. Je ferai la double page hors live. Hein. On fera pas la page en double. Hein. Demain on fera la page 97. Donc ce sera belle. Vendredi on fera Bruno dans Encanto. Samedi, dimanche, on fera Ariel. Et samedi, je vous dirai ce qu'on fera. Donc, ça fait ça déjà. Vous voyez, ça fait déjà super beau, moi, je trouve. Il manque pas un grand. Il y en a deux. Ok. Les yeux assez verts. Donc, ça dit ça aussi. Pardon. Voilà, donc le vert est terminé. Après le B. Alors le B, c'est soit du vert comme ça, du mild gray. Mais j'ai un doute, ça peut pas être ça. Non, ça c'est un gros vert, donc ça peut pas être ça. Ça c'est assez gris, donc ça va être du jaune. Hein. Ou plutôt ça. Attends, on va regarder. Voilà, plutôt ça pour le B. Hein. Ouais, plutôt ça pour le B. Hein. Voilà, ça fait ça. Après, il y en a ici. Il y en a là. Ok. Est-ce qu'il y a encore du gray ou pas? Du B. Non, je crois pas. Après, il y a du sel. Donc, le sel, je sais ce que c'est. Donc, ça fait ça. Ah, ok, on a fini avec ça. Ça, c'en est un autre. Après, on va prendre du 8. Je pense que le 8, on va prendre ça. Donc, on va prendre le A. On a oublié du A, mais c'est pas grave. Donc, ce sera ça pour le 0. C'est un assez pâle. Un assez bleu. Ouais, on va prendre ça pour son visage parce qu'elle n'a pas le choix. Hop. Pour un assez pâle, j'ai pas trop le choix. Pour aller vite pâle, ouais, il n'y a plus que ça. Donc ça fait ça pour Maléfique. Moi j'ai pas trop de trucs de pâle pour aller avec, mais bon, c'est pas grave. Ça ressemble plus au dessin qu'on veut. Voilà. Donc là en zéro, il n'y a rien d'autre à part ses mains. Alors par contre, il faut faire très attention. C'est moi aussi là. Voilà, ici aussi.
Alors, donc ça fait ça pour Maléfique. Voyez un petit peu. Alors le C, il en restait un tout petit peu ici, mais pas beaucoup. Pas quel temps vous avez, mais nous ici il fait pas beau du tout même. Alors 10-0, il y en a encore là. Ok, ça fait ça pour Maléfique, voyez un peu. Alors là on va prendre le 9, donc le 9 ça va être ça. Hop, le 9, hein, le 9, le 9, le 9, hein. Ah, ça va être sur les bordures, les neufs, parce que c'est pas évident. Hop. Je vais juste reprendre un neuf parce que celui-ci commence un petit peu. J'ai pas un neuf un peu plus grand. Je vais regarder si j'ai pas un neuf plus que ça parce que... Alors j'en reviens, je suis juste à côté. Je vais regarder si j'ai pas un neuf. Non, ça c'est mauvais. Voilà. Bon, je regarde de côté. Je prends juste là. Donc ça, c'est ok, ça je mets ça. Je vais chercher dans ma boîte. Si j'ai pas un verre. On va en faire quelque part, mais où après moi j'ai un verre quelque part. Ça après c'est pour ah ben voilà. Non, c'est un verre beaucoup plus foncé, beaucoup plus clair. Attendez 5 minutes. Hop. Donc ça. Non, celui-là qui a séché pourtant. Voilà, donc ça fait ça. Après, vous avez ici ce qu'il y en a derrière. Il n'y en a pas beaucoup, hein. Le 9, hein. Vous avez du 8, hein. De toute façon, il n'y en a pas beaucoup, comme je l'ai dit. Voilà. On va reprendre juste le vert ici, ou le vert foncé, j'en avais un tout à l'heure. Le vert foncé, donc ça. Ouais, ça peut être ça. Pour le vert foncé, c'est ça. Donc on va faire un peu le vert foncé, ça va être plus rapide. Hop. Alors là il y a du neuf. On va prendre le neuf. Hop, ça. Ah, c'est du vert, vert flash. Du vert flash ici. Là, là il y a du... Là, c'est du 8. Là, il y a du 9. Là, il y a du 9. Hop, faut voir avec les lignes parce que c'est vrai que c'est pas évident. Hein. Donc, je ne sais pas si vous voyez déjà le... Hop. Le noir, on le fait à la fin, bien sûr. Hein. Hop, toujours à la fin, parce que
c'est le là où ça demande plus de temps, bien sûr. Si la vidéo elle demande un peu plus de temps, c'est pas grave. Mais demain, je commencerai déjà à préparer mon matériel. Comme ça, on prendra un peu moins de temps. Là, c'est la première vidéo de démarrage. Donc, voyez déjà ce que ça donne. Voilà. On va faire le noir en même temps que vous. Hop. On va faire. Je fais par ordre croissant. Je passe du C et je vais jusqu'au 1. Donc, si vous voyez un peu ce que ça donne. Déjà. On voit déjà la moitié des trucs de fait. Donc ici c'est du 9. Donc voilà. Voilà. Ici. Après, on a du 9 là. Ici, là, il n'y a plus de 9 là. Ok, là c'est que du 8. Après, on va passer à l'autre côté. Là. Le côté plus grand, c'est pas grave. Alors, il nous reste en vert là, il nous reste ça. En 8, ok, là il y a du 9, là ça va être les petits bouts qui restent. Après, on va partir pour du 9, du 8, oh là là. Du 8, bientôt. Donc, on va faire. On va terminer presque la vidéo. On en a presque pas pour longtemps. On va terminer. Si vous entendez du bruit, pas trop grave. Alors là, il y a du 8, du 8, du 8. Là, il y a du 9. Donc, on va faire le 8. Donc voilà, on a fait voilà le, excusez-moi mais c'est parce qu'il y a les allergies en ce moment, donc c'est pas évident. Donc on va faire le 8 maintenant. Donc le vert foncé, voilà. Donc hier j'ai sorti la vidéo du bloc Summertime qui est terminé pour moi, hein. Donc ça fait ça pour l'instant, ça fait super bon moi je trouve. Voilà, il est terminé, on l'a fini ensemble. Donc je vous ai fait montrer les petits dessins qu'on a fait ensemble pendant les lives bien sûr, et aussi pendant les lives aussi bien sûr. Donc ça fait ça. Alors, là, on va passer ici au vert. Après, il nous restera du 7, 6, 5, 4 et 3. 2, 1. Après, il ne restera pas grand-chose à faire. Donc, on va... finir le dessin ensemble. Hop. Donc on a encore du 8 ici à terminer. On n'en a pas pour longtemps.
d'encre. Voilà. Donc ça fait ça ici. On va faire le 8. Est-ce qu'il y en a là? Il y en a ici. Hop, il y en a là. Alors, ici, il y en a là. Donc, je ferai la deuxième page hors live. Hein, ne vous inquiétez pas. Puis, je vous la montrerai. Quand elle sera terminée, je la mettrai sur mon Instagram ou sur mon compte Messenger ou Instagram. Ne vous inquiétez pas. Alors, ici, il y a encore du 8. Il y a encore du 9. On oublie, mais c'est pas grave. On reprendra tout à l'heure. Voilà, donc ça fait ça. Après, donc là du 5, ça c'est bon. Donc il nous reste ici, là, là, là et là. Ok. Donc il ne reste plus grand chose à mettre au niveau du vert. Donc on a presque terminé le vert. Je vais être contente parce que le dessin il va être super beau. J'adore. Essayez de pas trop appuyer dessus parce qu'après si on appuie dessus, donc en fait il va nous rester encore combien de bestiaires à combien de livres mystères à terminer. En fait il va nous rester le bestiaire, le méchant, donc celui-ci, et le petit nouveau qui est le Girl Power. Donc voilà. Il ne reste plus beaucoup à faire. J'aimerais bien terminer le coloriage. Et puis demain, on fera du coup. Demain, on fera. Qu'est-ce que je dis? Jeudi, donc c'est Bruno de Encanto. Donc voilà. Donc là. Donc voilà, on a terminé le 8. Vous voyez, hein, ça fait super beau. Donc le 8, c'est fait. Après, on va passer au 7. Hein. Donc, ce sera ça pour le 7. Alors le 7, on va prendre une toute petite lèvre. Donc, je vais te parler comme ça. Parce que là, qu'il ne faut pas comprendre. Alors le 7, hein. Est-ce qu'il y en a d'autres sur le... Ah, c'est du marron. C'est du marron. Ah, il manque une couleur. Donc on n'a pas fini. Là, sur ses ongles. Voilà. Alors, du 5, on a dit que c'était... Je cherche du bleu. Parce qu'en même temps... Alors, il restait un 9 ici. Alors, après, on va prendre. Il y a du 5 encore. Donc, le 5, on peut le garder. Le 7. Est-ce que le 7, elle en a encore? C'est quoi ça? C'est du 4. Donc, ça, ça va être du violet. Ah, le rouge ici. Ah! Prendre le grand parce que des fois ça ne prend pas. Voilà, donc ça fait ça pour le corbeau. On a oublié un B. Alors le B, on a dit que c'était ça. On va prendre juste du petit B ici. Voilà, le petit B, c'était ça. Ok. Après, on va prendre
Donc du 6. Le 6 qui avait besoin de rose. Là. Alors le 6. Pas besoin de plus. Je crois qu'elle en a pas. Hop. Hop, le 6. Là c'est du noir. Ah ben il y a encore un 7 là. On a oublié, mais c'est pas grave. Au mieux qu'on en oublie que pas du tout. Donc ça fait ça. On a juste oublié le A. Alors le A c'est du marron. Le A je vais le reprendre en dernier parce que le A c'est pas une couleur différente. Alors pour le 5. Alors on prend le 5 comme ça. Alors, le 5 il est ici. C'est juste sur l'aventure de sa tonique. Donc ça fait ça pour le bleu. Après on en a juste ici. Alors, du 5 là. Voilà, après, alors on a fait le bleu du corbeau, on va faire le dos de Maléfique. Donc après ce sera que du noir exclusivement derrière. Voilà, nous reste du 5 là. Après au niveau du 5 il reste ici aussi la tête de Maléfique. Donc voilà, ici, après en 5 il n'y en a pas d'autre, après c'est du 5 là, là aussi, voilà. Donc on doit donc ça, voyez, ça fait plus joli. Qu'est-ce qui reste? Ah bah tiens, il y a un 8 qui reste. Pas grave. Allez. Alors, il nous reste. Donc le 5, c'est bon, on a tout. Hein. Il y a un 8 aussi là. Heureusement qu'on l'a vu. Donc il nous reste du C. Et eh ben voilà, le C il en manquait encore. Ici, il en manque ici. Il restait du C là. Voilà. Donc voilà ce qu'il y a. Du B. Le B, on a dit ça.
trop maléfique. Voilà. Du zéro, la valeur. La valeur de là. Hop. Donc ça c'est ok. Et c'est quoi le... C'est du 4. Ok. Donc on va prendre... Donc de ce violet là, pour prendre du 4, bien sûr. Parce que le 4, c'est un violet assez clair. Donc on en a presque pas pour longtemps. Puisqu'on a presque terminé. On n'en a pas pour longtemps. 4. Est-ce qu'il y a du 5 là? Non, c'est du 1. Ok. Là, c'est du C. Là, c'est du C. Bah, j'ai oublié le C du C. Hop, on reprend le C. Bien sûr. Hop. Et ici, il y a aussi du C. Voilà. Sur ses doigts, ils mettent du C. On n'a pas compris. Alors, il y en a juste là. Juste là, c'est du A. Là, c'est du C. Là, c'est bien. Là, c'est bien. Il y en avait sur. Après, le 4, il y en a encore là. Au niveau de la pâleur du. Pas la pâleur, mais. Par la paupière de Maléfique. Voilà. Un petit peu. Donc ça fait ça pour Maléfique, vous voyez déjà, c'est super, super beau. Là c'est du 3, du A, du 3. Alors, là c'est du A, ok. Après on va prendre, il nous reste du A, du 3, du 2. Alors le 3, ça c'est du 2, ça c'est du 3. Excusez-moi, pardon. Donc ça c'est du 3. Ça c'est du 3. Ça c'est du 3. Il n'y a pas beaucoup de 3, je crois, du 3. Il n'y a pas beaucoup. Alors. Le 1. Donc il n'y a plus beaucoup de 1. Après du 2, on a dit ceci. Je crois qu'il n'y a que ça. Hein. En 2, il n'y en a pas beaucoup non plus. Ok. Après, on a juste du 1 et du A. Alors le A par contre. Je pense que c'est ça pour le A qu'il faut prendre. Ouais, c'est ça. Alors, on va prendre du A maintenant. Calbec. Hop. Voilà, donc ça fait ça. Après, on va prendre les petites... Donc le A c'est bon. Après maintenant on va prendre le noir. Si c'est la dernière couleur qu'il nous reste à faire. Donc voilà, voyez un peu ce que ça donne. Vous voyez. Alors là on va prendre les yeux maléfiques parce que les yeux maléfiques sont très tellement durs à faire. Donc voilà, ça fait ça pour Maléfique. Elle est très très belle quand c'est bien fait en tous les cas. Hein. Donc voilà, ça fait ça. Voilà, donc on a fait les petits yeux. On va faire les mains en même temps. Ce qu'il faut faire chez Maléfique, je vous le conseille, hein, c'est d'abord faire les mains. Donc ici c'est fait. Ici c'est du 1. Ici. Donc ici c'est du 1. Non, ainsi. Et c'est dur.
Donc voilà, donc ça fait ça. Maintenant, on va passer au noir sur toute la tenue. Hop, on va passer le noir maintenant. On va passer le noir. On va passer ici noir. Alors. Je reprends juste un noir parce que j'ai un noir qui est plus grand côte, mais je trouve qu'il ne s'avance pas. Ah, voilà. Donc, ça fait ça pour l'instant. Enfin, magnifiquement, essayer de la faire là en même temps. Essayer de faire un peu le visage. Pas que ça passe derrière, non, ça casse pas derrière. Donc voilà. Après, vu comment elle va être faite, donc voilà, ça fait ça le visage. Après, on va faire. Donc, on finit juste le noir puisqu'on n'a que le noir à faire. Les cornes. Moi, j'appelais ça des cornes. Hein. Vous voyez, les cornes. Donc, ça fait ça. Oh, ça fait trop trop beau, j'adore. Hop, on va faire le corbeau. Non, on va demander beaucoup de temps, ne vous inquiétez pas. Prendre un peu plus que ça prendra. Il vaut mieux que le coloriage soit bien fait. Tout demande plus de temps que pas du tout. Hein. Donc on a presque terminé. Presque, presque. Voilà ce que ça donne déjà. Donc, on va s'arrêter à la moitié ici. Hein. Et on reprendra l'autre côté. Toujours moitié-moitié au niveau du nord pour que ça donne un peu plus beau. Au niveau des coloriages. Hein. J'aurais pu moins que je termine en temps voulu. Bon. Voilà, on va prendre ceci. On va prendre le pareil. Voilà. Non. Voilà. Donc voilà, on va finir comme on peut, mais bon, on va finir comme on peut, c'est pas évident, voilà,
Donc ça fait ça. Après, on a encore fermé le corbeau. C'est magnifique. Hop. Hop. Donc on a presque terminé. Magnifique, presque. Il nous reste ça, ça, ça et la corne. On va faire le petit corbeau de Maléfique. Je ne sais pas comment il s'appelle. Non, non, je crois. Mais je ne sais pas comment il s'appelle. Hein. Au moins ça et après on sera tranquille. Je crois qu'il y en a d'autres magnifiques donc mais je crois qu'après les autres sont moins noirs, je sais plus, faut que je regarde. Peut-être la semaine prochaine on en fera un autre magnifique, ne vous inquiétez pas. Là au mois d'août on fera le tome 9, on avancera un peu, voilà. Plus on avance et plus reste encore un gris ici, c'est pas grave, il reste un gris ici, voilà. Après on va finir magnifique, on va finir son dos derrière, donc on va finir sa corne ici, puis on finira par son dos en dernier, comme ça sera terminé ensemble. Vous voyez très bien là le dessin comment il est, hein. Je sais pas si vous voyez, quand je colorie c'est vrai qu'il faut pas. Donc, voilà, on change de noir à chaque fois parce que il y a des noirs qui fonctionnent et qui sont bien mais qui fonctionnent à peu près. Quand les signes peignent, ils fonctionnent bien. Donc ça fait ça. Donc là, on va faire la corne en bas. Là, on fera ça et puis on fera en dernier ça. Ne vous inquiétez pas. Hop, on va faire ici. Donc voilà, on a fait ça. Donc on n'a plus qu'à faire le bas, plus le haut. Plus le haut, ah, le haut à faire encore. Ça va être vite fait. Donc un petit peu ça.
On va prendre moitié-moitié parce que c'est vrai que c'est pas évident. Je vais prendre un et l'autre en même temps. Hop, on va essayer d'avancer un peu. Donc on va faire ça, 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 ça. Voilà, vous voyez ce que ça fait déjà? Ça fait super chouette, j'adore. Donc on finit avec ça et après je vais vous laisser là, on finira avec ça et après je vais vous laisser là. Hein? Donc voilà ce que ça donne. Ici il y a un petit noir aussi, oui, voilà, donc ça fait ça et celle-ci. Alors on va finir ici. Déjà on va faire la moitié. Donc on va terminer ici. Donc on termine là. Donc voilà ce que ça donne déjà. Je peux soyez assez. Donc là, je suis obligée de faire ça. De revoir le petit bout. Donc là comme des fois ça marche pas d'un côté, on prend l'autre. Il y a beaucoup noir, hein, comme je vous ai dit. C'est assez noir dans ce coloriage-là. Ça fait ça pour maléfique. Donc on va faire moitié là, puis on fera l'autre moitié après. Donc on va prendre l'autre en même temps pour bien les secouer des fois aussi. Ça y fait aussi le fait de les secouer. Le fait de les secouer, juste secouer, bah, ça demande un peu plus de temps, mais bon. Moi ça donne un peu plus de travail. Donc voilà ce que ça donne. Il nous reste la moitié ici. Il nous reste deux parties à terminer. Donc on va juste la terminer. Les parties plus grand chose à faire. Ça.
dernière et après je vais vous laisser là les gens, bien sûr. Une petite dernière ici. Une petite dernière là et puis là. Et puis après je vais vous laisser là les gens du coup. Donc voilà, ça fait ça. Pour l'instant, on n'a pas encore terminé. Donc voilà les gens, n'hésitez pas à me dire si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, un commentaire en dessous de la vidéo, et n'hésitez pas à t'abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait, un pouce bleu, un commentaire en dessous de la vidéo, et n'hésitez pas à t'abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait, et je vous dis à demain, je vous en salue.